Moi, lieutenant Richard Tuft, de la flotte des États-Unis, rends compte ici du périlleux voyage que j'ai accompli sur le territoire de la Floride en 1840. J'ignorais tout de la Floride en dehors de ce que m'avait appris cette carte rudimentaire. Elle ne m'enseigna en réalité que peu de choses sur la mission pour laquelle je m'embarquais. Je savais que là-bas se déroulaient les scènes de guerre les plus atroces de notre histoire. Nous luttions contre un ennemi cruel et sanguinaire, les Séminoles. 7 ans auparavant, ces Peaux-Rouges avaient défait la totalité de nos forces et avaient déjoué la stratégie du plus grand de nos généraux, Zachary Taylor. En m'embarquant, j'avais reçu l'ordre de servir sous son commandement. Mon navire louvoya le long de la côte atlantique de la péninsule jusqu'à une petite baie ignorée. De là, je montai à bord d'une embarcation qui était appelée à jouer un rôle capital dans cette expédition.